Salut, salut tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel. Ça c'est mon tout premier vidéo tutoriel en français. Ça c'est juste parce que j'étais sur le forum en français et je me suis dit ben pourquoi pas faire un tout premier tutoriel en français. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ce tutoriel, c'est... Attendez, je vais vous mettre l'écran là. Donc, c'est sur le FreeCAD Web Forum là. Et c'est dessiner les murs à partir d'une image à BSTUSE. Il dit, salut à tous, j'aimerais avoir les différents avis sur comment faire des murs avec ce document-ci. Alors... Yorick lui a donné une bonne petite idée ici, mais je me suis dit, mais pourquoi pas aussi voir ce que je peux faire pour démontrer comment l'approche que j'aurais pris pour faire ce projet. Donc, voilà, j'ouvre le projet dans FreeCAD. Alors, ça ouvre assez vite. Ok, donc ici, là j'ai le document en question, je vais aller directement sur le Arc Workbench. Et puis, bon, là je vais d'abord vérifier la taille du document parce que là par exemple, il y a deux choses. Soit l'une, est-ce que je veux modéliser quelque chose sans forcément utiliser le plan comme une base, ou bien est-ce que je veux utiliser le plan comme une base. Mais là, dans ce cas, si je veux voir si le plan est un peu juste, pour voir si elle peut me guider, si il peut me guider, pardon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne ici et dessiner là, comme ça. Juste une ligne qui mimique un peu la dimension là, parce que là il me dit que c'est 3,6 mètres et là c'est 3,70, 3,50 et 4,80, donc j'ai quelques dimensions déjà comme base pour me référer. Et puisqu'il n'a pas donné le reste, je suppose que tout ça est plus ou moins pris en compte. Donc là, je sélectionne ma ligne et puis je viens dans son data et puis je regarde, il me dit le length c'est 36,62, donc je peux m'imaginer qu'effectivement, il est fort probable que ça c'est 36,62 mm, donc là on est en millimètres, donc il va falloir que je scale ça un peu, mais là ça me dit que là je suis à 360 mètres, donc il faut que j'augmente ça d'à peu près 1000 je crois. Donc ce que je fais dans ce cas, c'est que là je dis à ma ligne par exemple d'être 36 tout simplement 3600 comme ça. Donc là c'est la véritable longueur de tout ça, et puis là je sélectionne tout ça et puis je fais scale comme ça, je fais ça. Et puis là il me demande c'est quoi le scale factor, je lui dis 1000 ici, je lui dis aussi 1000 ici, et je lui dis aussi 1000 ici, et puis ok, là mon image a disparu. Il n'a pas du tout scale. Ma ligne, par contre, est à 36 mètres. Donc, là, il va falloir que je trouve une façon d'augmenter. Si je copie. Coller. Puis je cache celui-là et puis j'ai celui-ci. Bon, est-ce que je peux maintenant le scale? Mille.
Dis-moi que tu scales. Non, pas du tout. Ok. Dans ce cas, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que comme je sais que il faut scale tout ça par un facteur de 1000, je peux tout simplement déjà dessiner ces valeurs-ci. Donc, je peux estimer que ces valeurs-ci sont déjà en millimètres. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine d'abord un carré. Parce que là, c'est ça que j'ai ici. Donc, je fais ça. Lui, il sera 36 mm. Par 37, 60, 37 mm. Comme ça. Et puis, je peux venir juste le mettre là, comme ça. Juste pour qu'il me serve de guide visuel. Le rendre un peu transparent, maybe on va dire 80, comme ça. Changer un peu les lignes là. Disons quelque chose comme ça, peut-être. Ok. Donc c'est ça. Je prends un deuxième. Je copie. Et là, ça c'est 360, 350, donc 35. 35 mm. Comme ça. Ok, donc là à peu près, il me dit ça c'est 4,80, donc là 48, non 48, 35 de ce côté et 48 de ce côté, comme ça. Ok, donc là, par exemple, je peux continuer avec mes espèces de carrés. Donc là, par exemple, maintenant, c'est une question d'estimation parce que là, si je me fie au plan, puisque j'ai pas de dimension, ça va devenir une question d'estimation. Donc là, je vais cacher ça. On peut par exemple essayer de mesurer à peu près ce que ça donne. Donc, on est à peu près à 25. Je vais imaginer que ça c'est 26 mm. À peu près. Donc on va dire. On va dessiner une ligne de 26 mm ici. Comme ça. Et puis on fait une autre ligne ici. Je crois que ça c'est à peu près 15. Comme ça. Là, ça c'est à peu près 20, moins 20 millimètres. Comme ça. Et puis donc ça on a dit que c'est 20. Apparemment c'est à peu près 22 ou 21. Donc là je prends tout simplement ma ligne et je mets là, sélectionne tout ça. Line color et je fais ça.
Et puis je prends cette ligne. Et puis je fais ça. Donc on est à peu près à moins 50, on va dire moins 52 milli. Donc ça va faire ça. 52 comme ça. Peut-être pas, on va dire 53 comme ça. Puis je prends cette ligne ici et je l'étends avec ça jusqu'à ce qu'il touche ce point-là. Je prends une autre ligne ici. Je le mets à peu près là. On est à peu près à 15. Comme ça. Donc à peu près ça. À peu près ça. À peu près ça. Comme ça, bien évidemment, le plan, il n'est pas très exact. On prend ça en considération aussi. Je prends cette ligne ici, comme ça. Je le snap ici. Comme ça. Ok. Là, je peux faire ça. Et puis ça. Comme ça. Cette ligne-ci, je peux l'étendre jusqu'ici, comme ça. Non, c'est pas une ligne, ça. Donc ça c'est un rectangle, je peux tout simplement prendre une autre ligne et je l'amène jusqu'ici comme ça, puis je fais ça comme ça, comme ça à peu près 24. Donc là on va juste faire des estimations, c'est plus simple après d'être précis avec tout ça. Mais ça, c'est comme c'est un exemple. Je vais essayer d'aller plus vite. S'il veut bien accrocher là. Comme ça. Ok. Apparemment, mon rectangle a bougé. Donc, je le ramène. Comme ça. Ok. Donc, je dessine un rectangle comme ça. Je cache cela. Enfin, je le ramène. Je vais dessiner des lignes autour, comme ça. Comme ça. Et puis je cache cela. Non, peut-être pas. Je dessine des lignes ici aussi. Comme ça. Et puis je fais ça. Et puis je fais ça.
Et puis je fais ça ici. Je cache celui-ci. Je prends ce crochet ici. Je l'amène là. Comme ça. Et puis je fais ça. Donc là, par exemple, c'est un offset. Donc on va prendre l'outil offset tout simplement, et puis copier, et on va faire un offset où on estime tout simplement comme ça, donc c'est à peu près 13. Et puis là, on peut trim les lignes ici, comme ça, on ramène ça là. Et puis ça, on le prend aussi, et on le ramène là, comme ça. Et puis, on peut faire en fait tout simplement la même chose, on trace partout comme ça. Et puis là, on fait ça. Comme ça. On ramène une ligne ici. Et puis, on fait ça. Comme ça, et puis ça, comme ça. Quelque chose à peu près comme ça. On continue comme ça, et puis là, et puis là, et bien sûr, on finit avec une petite courbe. Non, c'est pas comme ça que je veux ça. Ce que je peux faire, c'est tout simplement prendre ces deux lignes-ci, comme ça. Faire ça. Et faire ça. Puis je prends le multi-line comme ça et comme ça finish et puis je prends le D-wire que je viens de créer, je cache les deux ici, je prends le D-wire et j'augmente son radius. Là là. C'est beaucoup ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? D-wire, ça reduce. Va parler d'un mètre. Bon, peut-être que c'est là que je vais faire appel à Sketcher, à Workbench, comme ça. Et nouveau sketch. Object XY, comme ça. Puis je sélectionne ça. Et ça. Et puis je dessine. Ça, comme ça. Et puis je viens, j'amène ça.
Et ça. Comme ça. Close. Supprimer ça, oui. OK. Donc, c'est comme ça que je vais essayer de tout obtenir. Supprimer les deux lignes ici. Et puis, quand j'ai fini, je rassemble tout ça. Architecture, je les ramène tout en un seul. Bien, je crée un groupe. Comme ça, measure, part, create compound, make compound. Comme ça, je crée un compound. OK. Donc, je viens dans architecture maintenant. Et puis, là, je fais mon scale. Il est où? Comme ça. Je fais maintenant le scale de 1000 par 1000 par 1000. Bon, je lui dis de créer un clone. À peu près ça. Et quand on a maintenant un truc comme ça, c'est très facile de travailler avec parce que là maintenant, on peut dire par exemple, ok, on veut que tous nos murs, on va vérifier les dimensions vite fait. Comme ça. Donc 37. Ouais, il y a quelque chose qui s'est un peu interposé là, mais bon, bref. Quand on a un truc comme ça, c'est crucial parce que là, maintenant, on peut dire, bon, tous les murs, avec toutes les lignes qui font l'extérieur, je crois que ça, c'est une véranda, effectivement. Tout ça, c'est de la véranda, donc ça veut dire... Ça, c'est intérieur, 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 intérieur. OK. Ça veut dire, en dehors de mon très cher ami ici, tout le reste, c'est les contours d'un mur extérieur. Donc, je vais prendre mon polyline tranquillement. Je commence là. Puis, je vais faire ça. En deux, comme ça, jusqu'ici, comme ça, et bien sûr, il faudra que je trouve une bonne façon de créer un arc finish. Donc là c'est mon D-wire, j'aurais dû ajouter ce côté. Attends voir. Ah, donc effectivement il finit là. Donc quand j'ai mettons que ça c'est tous mes murs extérieurs, là maintenant je vais mettre mes murs intérieurs. Donc cette ligne ici par exemple c'est un bon candidat. Donc celui-ci comme ça et comme ça. Finish. Celui-ci, ce sera seulement une seule ligne. Comme ça. Celui-ci, c'est un polyline qui commence là.
Et puis finish. Finish. Donc, je vais un peu distinguer mes lignes externes avec mes lignes internes. Avec, disons, on va prendre du bleu ciel pour l'externe. Et puis, on va augmenter son line width à 5, comme ça. Et puis, on va prendre les murs internes. Et on va faire la même chose, mais avec une autre couleur. Disons cette couleur. Et puis, on va faire un line width de 4. Comme ça. Peut-être trop léger, trop invisible. Prenons peut-être cette couleur. Qu'est-ce que ça donne? Un peu mieux. Donc on fait ça et on fait ça. Finish. Et puis ici, une simple ligne. Et là, une simple ligne. Et donc, donc voilà à peu près un truc comme ça. Donc là, maintenant, je peux prendre cette ligne-là. Et puis, je lui dis, je veux un mur externe. Non, pas ça. Je le nomme là, rename, external outline, comme ça. Et puis je lui dis d'être un mur. Ouh là là, ça c'est une super gigantesque maison. Est-ce que on a bien vérifié nos dimensions? 3,6. Et nous sommes à 37 mètres. Non. Oh là, c'est pas 3,6 là. Donc, on s'est planté depuis le départ. Donc là, je supprime mon mur. Je ramène ça. Qu'est-ce que je fais? Enfin, je reprends mon compound, comme ça. Je vais éteindre tout ça. Je reprends mon compound et je le scale par 100. Ok, là on est un peu plus, là on est un peu plus juste. C'était pas 1000, c'était 100. Donc une fois de plus, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Finish. Et puis ça c'est le mur externe. Et puis on lui dit d'être ce mur, comme ça. Et puis on lui dit d'être center right justified, comme ça. Donc comme ça, les lignes sont plutôt à l'intérieur. Line color, on repart avec ça, puis on te met un line width de 5, comme ça. Donc les lignes sont à l'extérieur.
Là, ça nous permet de continuer avec les lignes internes, c'est-à-dire comme ça. Finish. Et puis comme ça. Ce mur-là, il n'y a pas de porte ici, d'accord. Donc là, par exemple, avec ces deux lignes-là, je le sélectionne, je fais un mur comme ça. Et puis l'autre, un mur comme ça. Donc là, par exemple, si mes murs internes avaient une propriété différente, c'est-à-dire une épaisseur autre que les murs externes ont peut-être une épaisseur de, disons, 4. On ne sait jamais comme ça. Donc, les murs internes gardent leur propriété. Donc là maintenant, je peux ajouter les murs internes chacun dans l'autre, comme ça. Très, très simplement. Et puis, je peux maintenant sélectionner ce mur et l'ajouter dans le mur externe, comme ça. Et là, c'est facile maintenant de d'ajouter tous les autres éléments comme les portes qu'on connaît bien et tout ça. 2,1. Comme ça. Mettre. Comme ça. J'ai copié. Tu le prends d'en bas et tu le snaps juste ici. Ok. Donc ça c'est à peu près comme ça que je vais m'y prendre pour ce genre de tutoriel. Eh bien, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine.